Bonjour les cousettes, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le deuxième jour et on se rejoint pour le live couture Besançon. Très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée et nous sommes vendredi donc c'est le week-end et ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous attends tranquillement. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Et on va avancer notre ouvrage. Donc déjà, j'espère que vous avez passé une bonne journée depuis notre dernière discussion d'hier et que vous avez terminé vos devoirs. Je vous montre, je crois que c'est ici. Voilà. Il fallait, coucou Sophie, ça va? Il fallait finir vos pièces de passant et votre sangle. Bon, si c'est pas fini, c'est pas grave parce qu'on va pas s'en servir aujourd'hui, en réalité. Bonjour Joanne, salut Claire, ça va? Il y a Soumaya qui nous rejoint, donc j'espère que ça va. Bonsoir à toutes, effectivement. Je vous attends, salut Nanou, bienvenue. Je vais ranger mes petites affaires. Et donc je vous attends. Donc aujourd'hui on a un programme chargé mais pas compliqué, donc ça va. Je regarde derrière, ah oui il y a toujours mon bazar, mais c'est pas grave. Françoise, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a fait ses devoirs, elle est à jour, et bien parfait. Et bonsoir Martine et Brigitte aussi. Aujourd'hui on va faire la poche de la face avant. Je vous montre sur mon sac, bientôt je vous montrerai sur ma belle besace. Salut Teresa, coucou Christine, ça va? Donc du coup aujourd'hui on va faire cette poche-ci, sauf qu'elle va être en version courbée, d'accord? Et on va faire la poche de doublure, je peux pas vous montrer parce qu'il y a du bazar dans mon sac. Et on va aussi préparer ici notre rabat. Alors je vois que Claire est au taquet, elle nous dit coudre la besaçon d'Odinette. Oui effectivement j'ai créé le groupe d'entraide juste avant le live. Salut Karine, bonsoir Nanou et Isabelle aussi, Pascal aussi. Du coup, si vous voulez rejoindre le groupe d'entraide sur Facebook, je l'ai mis dans cette publication, vous verrez, je vous ai mis le petit lien, d'accord? Mais vous pouvez le trouver, vous tapez coudre la besaçon, c'est entre parenthèses d'Odinette, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre et vous arrivez directement sur le groupe d'entraide. À quoi sert le groupe d'entraide? Il sert principalement à pouvoir poser vos questions entre les lives parce que moi, je suis là en live, mais avec le replay, j'ai du mal à suivre tous les messages, parce que vous écrivez beaucoup, et merci d'ailleurs. Ça me fait plaisir que ce projet vous plaise. Et puis, il sert aussi, du coup, à échanger avec les autres membres, montrer où vous en êtes dans votre projet, parce que moi, j'aime bien voir ça. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être très sympa. Alors, bonjour MC, ça va? Eh bien, c'est pas grave si tu peux pas rester, et bon anniversaire à pour tes 60 printemps. L'aiguille de Sophie, coucou. Et l'atelier de Karine qui nous demande est-ce qu'on peut remplacer le coton par une toile coton ou pas? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par toile coton. Si le tissu n'est pas trop épais, tu peux. Si c'est un tissu d'ameublement, par exemple un demi-natté de coton, vraiment quelque chose de plus épais, à ce moment-là, surtout ne l'entoile pas et tu ne peux pas l'utiliser pour la poche de dos. Voilà, mais a priori, ça fonctionne. Salut Marise. Bonsoir Sylvie et Linda aussi. Bon ça va, vous avez passé une bonne journée. C'est le week-end pour certaines, pas toutes, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi le samedi. Bonsoir Véronique qui nous rejoint. Les devoirs sont faits pour Nicole, et bien c'est parfait. Et Amandine, je ne t'avais pas vu, coucou. Alors, Françoise, elle dit, moi je ferai un replay car je n'ai pas pu être là hier soir. Alors Françoise, hier soir on a juste fait les pièces de passant et la sangle et un récap des pièces. Donc si tu as découpé tes tissus, tu peux coudre avec nous parce qu'on va véritablement commencer en fait maintenant. Donc comme ça, c'est le moment. Coucou Véronique, ça va? Bonsoir Sandrine. Alors journée chaude, elle dit Claire, c'est vrai qu'il a fait chaud. Ouais, oui, il fait toujours chaud. D'ailleurs dans mon atelier, que je ne vous ai toujours pas montré, je suis vilaine. En fait j'ai juste au-dessus de moi, j'ai un puits de lumière. Et j'attends qu'on me pose un truc anti-chaleur. Je suis en dessous toute la journée, je peux vous dire, il fait trop trop chaud. Donc du coup, vous allez peut-être entendre les oiseaux, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, parce que sinon il n'y a pas trop d'air. Marise, elle est à la retraite, et ben profite pour coup, tu as raison. Coucou Aude. Allez, on va se mettre au travail, parce qu'on a un programme pas compliqué, mais quand même un peu chargé. Donc on va démarrer tout de suite, d'accord? François, si tu n'as pas les découpes, effectivement, tu peux rester avec nous, mais ça va être dur de commencer. Alors, ce qu'on va faire, je pensais commencer par la poche avant, qui n'est pas trop dure. Comme ça, on va se mettre dans le bain tranquillement. Allez, je cherche les pièces et je vais vous montrer. Voilà, je pensais commencer. Bonsoir Sabine, comment vas-tu? Par ces poches-là, d'accord?
Ah, c'est gentil, Karine, elle dit, je voulais te remercier. Grâce à tes lives, j'ai appris à coudre le velours côtelé suédine. Merci. Eh bien, génial, ça me fait trop plaisir. Et Françoise, bah, reste avec nous, on va se faire un petit moment papote, c'est sympa aussi. Donc, pour coudre notre poche de face avant, on va avoir besoin des deux pièces PA. Alors, je répète que c'est un miroir, d'accord? Qui sont découpées les deux dans le coton entoilé. Ok? Vous pouvez, si vous n'avez pas trop loin de vous, on ne va pas s'en servir tout de suite, on s'en servira à la fin, sortir un petit tapis et votre fer à repasser, ou votre presse, d'accord? Et on s'en servira à la fin si on veut faire des jolies finitions pour le rabat. Allez, on y va, je vous mets hop, sur le plan de travail et on y va. On va faire dans l'ordre poche avant et ensuite pays, poche intérieure et le rabat. Alors, je vous dis à quelle page du tuto je me trouve, comme ça, si vous voulez suivre en même temps, vous pouvez. Donc, je suis dans le patron de base et je suis page 48. Et bien, c'est parti, Muriel, ravie de te voir à l'heure. Moi aussi, j'y suis pour une fois. Et on y va. Alors, oui, j'ai un petit peu loin. Hop, donc je vais orienter la caméra. Donc, surtout, si vous ne voyez pas, il faudra me le dire parce que, me l'écrire, parce que je ne peux pas tout lire en même temps que je vous explique. Alors, attendez, je remets un petit peu mon bazar. J'ai tout sorti pour réviser. Et donc, à cette étape, ici... Bonsoir Véronique, comment vas-tu? Hop. Alors, attendez, j'ai un petit souci de pied, mais ça va se régler. Voilà, je pense qu'ici, vous serez bien pour voir. Je vais pousser ma machine, parce que moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Donc, du coup, elle est au milieu. D'ailleurs, est-ce qu'elle est restée allumée? Elle s'est éteinte. Peut-être elle n'était pas éteinte. Hop, attendez. Je vais la déplacer un petit peu et on y va. Alors, on va commencer par poser notre fermoir magnétique. D'accord? Bonsoir Elisabeth. Donc notre fermoir magnétique, le voici. Hop. Donc il se compose de plusieurs morceaux. Vous allez voir. C'est ma machine qui s'allume, pas de panique. Hop, donc il y a deux rondelles comme ceci, je vais les mettre de côté. Hop, et vous avez deux parties comme ça, vous avez une partie mâle, donc avec la partie qui dépasse comme ça, et une partie femelle avec un petit trou, d'accord? Donc là, nous, on va utiliser principalement pour l'instant la partie femelle et une rondelle, donc je vais me les garder de côté, et la partie mâle, qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est bon, la partie mâle. On va la garder pour le rabat, donc on la met de côté pour plus tard. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, donc je vais sortir mon petit tuto. Hop. Et donc la première étape va être de positionner devant nous la pièce PA, une pièce PA, d'accord? Donc si vous regardez, moi j'ai déjà fait des petits trous ici. Sur mon patron, il y a des repères qui vont servir à placer le fermoir magnétique. D'accord? Donc, si ce n'est pas encore incisé chez vous, je vous invite à le faire. Donc, vous pliez votre patron en deux au niveau des deux petits traits, là, ici, hop. Et avec une petite paire de ciseaux, je vais venir ici, vous voyez, sur les repères pour faire un petit trou. Des petites encoches, en fait, qui vont me permettre de marquer les repères sur mon tissu. Ensuite, alors moi j'ai commencé hein, en faisant blanc comme si je ne l'avais pas fait, parce que j'ai révisé. On va prendre une pièce PA, celle que vous voulez, d'accord? Et on va tourner l'envers face à nous. Vous voyez, j'ai déjà reporté les repères, mais je vais les faire quand même avec vous. Et ensuite, on positionne notre patron par-dessus. On aligne bien les côtés le haut, hop, pour être bien centré. Et là, avec son crayon textile que j'ai sorti aujourd'hui, on vient faire une petite marque au travers de l'incision pour reporter l'emplacement du repère. Voilà, bon, du coup, j'ai réécrit. Voilà. Ça vous donne ça, ok? Alors, ce repère, il correspond en réalité à l'espacement. Vous voyez, quand je prends mon fermoir femelle, ici, j'ai des tiges et c'est l'espacement des tiges. Donc, du coup, vous pouvez vérifier avec la rondelle, si vous voulez, en la posant dessus, que l'espacement est correct.
Moi, je suis pas pile poil, parce que ça doit pas être la même taille que de fermoir, mais ça conviendra quand même. D'accord? Le fermoir, ton fermoir est vissé, Diane, bah dévisse-le ou tire peut-être. Alors, une fois que j'ai mis mes repères, je vais venir simplement inciser la pièce, d'accord, sur les repères. Coucou, ma Joanne, comment tu vas? Je te fais un bisou. Du coup, avec nous peut-être. Alors, on a notre repère ici. Donc, soit vous vous mettez sur une planche avec un cutter, soit même chose que pour le patron, moi j'aime bien faire ça. On plie notre tissu de manière à voir les repères. On va faire des petites incisions. Alors attention, on ne dépasse pas les repères, sinon ça va être trop grand. Donc on y va tranquillement. Hop. Et on fait une petite incision. Salut Jessica. Bonsoir Chantal. Nathalie, coucou, comment tu vas? Hop. Alors, je ne vous regarde pas tout le temps l'écran, hein, donc si je ne vous ai pas dit bonjour, ne m'en veuillez pas. C'est quand je tourne la tête que je vois, sinon bah, je regarde ce que je suis en train de faire. Hop, voilà. Donc, je pense que mes incisions sont peut-être pas assez grandes. Ok? Donc, une fois qu'on a incisé, coucou Julie. Petite incision dans le tissu. Merci Claire. Claire, elle résume. C'est gentil. Adorable. Alors, une fois que j'ai fait ça, ok? Là, j'ai incisé, je vérifie que tout rentre bien correctement. Donc, je vais prendre mon fermoir femelle, d'accord, au niveau là des languettes. Et je vais venir, alors il faut que je retrouve mes petites incisions, voilà. Et je vais venir en fait traverser le tissu. Voilà, donc là, c'est passé, j'ai pas de problème. Et donc, on est bien sur le fermoir femelle. Ok? Bonsoir, Josiane. Alors. Oh, merci Nathalie. Alors, une fois qu'on a fait ça ici, on a mis notre partie femelle, on va venir fixer l'arrière. Alors, pour ça, moi j'aime bien mettre toujours une petite chute de tissu suédine, ce qui traîne, hein, une petite chute. Là, la mienne est beaucoup trop grande, donc je vais la recouper. Ça va me permettre de bien renforcer l'emplacement du fermoir. Donc, on n'est pas obligé de prendre de la suédine. Moi, j'ai pris ça comme chute. Prenez un tissu épais, suédine, simili, de la ouate, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Je vais devoir venir faire des petites incisions aussi. Donc je viens là. Je pose ici. Vous me dites s'il faut zoomer, hein, parce que là je filme de loin quand même. Je viens, hop, avec ma rondelle, reporter à peu près le repère, juste pour avoir l'espacement. Et je vais venir inciser exactement comme mon tissu, pour que ça passe. Ici. Ok? Du coup, une fois que j'ai fait ça, je viens ici et je place mon petit renfort au dos de la pièce. Donc, je traverse avec les tiges. Ça va pour tout le monde? Coucou, c'est Poupikikou qui nous regarde. Ça me fait plaisir de te voir. Alors, ici, on a notre rondelle. Ensuite, on vient la mettre par-dessus, d'accord? Au travers des tiges. Et deux options, soit on écrase les tiges vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je préfère l'extérieur, mais vous faites comme vous voulez. Donc, c'est pour fixer mon fermoir en place, un peu comme une attache parisienne. Voilà. Et donc, là, mon bouton pression, il est en place. Donc, on va faire exactement la même chose tout à l'heure pour le rabat avec la partie mâle. Je ne vous le fais pas faire maintenant parce que je vais faire pièce par pièce, je trouve ça plus simple. Ok. Il n'y a pas de machine de gaucher, Nathalie, c'est que je filme en miroir, mais je pense que tu te moques un petit peu. Alors, ok, j'arrête. Bah oui, coquine. Donc du coup, on est là, comme ça, on a mis notre fermoir et on va venir maintenant créer notre poche. Alors, on a deux pièces, d'accord? Donc on a ces deux pièces-là, celle qui n'a pas de fermoir et celle qui a un fermoir, deux pièces PA, de poche avant. Au choix, soit je ne veux pas passepoiler. Et à ce moment-là, je vais mettre les deux pièces l'une sur l'autre, d'accord, ici, et j'attends la suite. Soit je veux passepoiler et je vais venir mettre du passepoil. Alors, Marie-Thérèse, elle demande pourquoi le live est en arrêt. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien encore en direct? Dites-moi pour que je sache si je continue ou si je vous attends. Bon, ça a l'air d'aller parce que Claire a dit relance-le, donc je pense qu'elle l'a vu. Ok, donc Julie est là aussi, donc ça va. Donc moi, je vais passepoiler ma pièce, d'accord, ici. Donc ce que je vais faire,
Je vais pas couper, donc ça c'est tout mon passepoil, hein, d'accord? Je vous ai dit 1 mètre à peu près, dans votre kit vous avez 1 mètre si vous avez pris un kit. Je vais pas le couper d'avance, ok? Moi j'aime bien placer mon passepoil et ensuite le couper. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas venir comme ça au ras du passepoil, au ras de la pièce, placer votre passepoil, parce que la ganse ici elle peut filer un peu et après on a des finitions qui sont pas terribles. Donc moi je fais toujours dépasser un tout petit peu le passepoil de la pièce et je vais venir... Soit vous mettez votre passepoil au ras, là il n'y aura pas trop d'incidence parce que c'est une pièce qui ne s'emboîte pas dans une autre, qui se met sur une autre, donc il n'y a pas de souci. Soit vous voulez avoir une marge de couture prévue dans le patron et à ce moment-là, vous devez décaler à peu près. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Il faut que la couture sur le passepoil se trouve à 1 cm du bord, ok? Donc je mesure et je place des petites pinces pour maintenir en place. Hop, et donc je fais ça sur toute la longueur de la pièce, enfin sur toute la partie courbe. Hein. Donc je prends mon temps, parce que, comme son nom l'indique, c'est courbé, donc il faut prendre son temps pour ça. Donc là, je vais venir placer mon passepoil sur toute la longueur et je vais mesurer pour être sûr que c'est bon. Alors là, je me suis mise sur la pièce qui a le fermoir. Peu importe celle que vous prenez, donc moi dans le tuto je vous ai mis celle sans fermoir parce que c'est plus simple, on n'a pas le fermoir qui nous gêne. Mais là la pièce est grande, en tout cas moi sur ma taille, donc je ne vais pas avoir de soucis. Si vous travaillez sur la taille 1, peut-être prenez la pièce sans fermoir, ce sera plus facile pour vous. Hop. Donc je place bien tout correctement. Donc je vérifie, là je suis pas pile poil à 1 cm, donc je me décale un peu. Hop, c'est studieux. Ça va chez vous, tout va bien? Hop, je suis à peu près à 1 cm, donc ça va ici. Je vais vérifier, oui je suis à peu près à 1 cm partout. Donc voilà, une fois qu'on est prêt, on peut couper, donc on coupe pas à ras, d'accord, on coupe un petit peu plus loin. Bon, pas non plus ici, hein, parce que sinon je vais perdre du passepoil, mais on laisse dépasser à peu près de 0,5. Moins d'un centimètre, hop, voilà. Ça va être beau tout ça. Oui Isabelle, j'ai changé de machine à coudre parce que j'avais envie de changement. Ça faisait au moins 4 ans que je cousais sur ma machine Marion, que j'adorais d'ailleurs. Mais j'avais envie de changer. Et du coup, j'avais toujours entendu dire que Bermina, c'était super comme machine. Donc j'ai eu envie d'essayer, j'avoue. Il y en a plein qui m'ont donné envie avec leur machine. Donc voilà, je suis sur la B480. Alors, Letty, elle dit, les pattes du fermoir doivent se replier vers l'extérieur. J'avais plutôt tendance à le faire à l'intérieur. En fait, tu le fais comme tu veux. Moi, ce que j'avais vu chez une créatrice qui coud des sacs beaucoup, elle disait que si tu rabats à l'intérieur, ça va créer une surépaisseur parce qu'ils vont se chevaucher, qui risque d'abîmer ton tissu de doublure. Donc, elle m'avait dit, quand on rabat vers l'intérieur, il faut quand même couper les extrémités pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. D'accord? Donc, tu fais comme tu veux. Moi, je fais comme ça, mais si tu veux faire à l'intérieur, tu as le droit. Alors, Sophie, elle dit, on laisse toute la cordelette aux extrémités. Moi, je vais le laisser parce que c'est plus simple. Toi, si tu as l'habitude d'ouvrir ton passepoil et d'enlever la ganse qui est au milieu, tu peux le faire si tu veux. À savoir que là, on va faire une couture de maintien et ici, sur le côté, on fera une couture à 1 cm au final. Donc, voilà. Isabelle, je pense que tu ne seras pas déçue de la Marion de Veritas parce que j'ai cousu très longtemps dessus et je l'aime toujours beaucoup. À mon avis, elle va te plaire. Alors, on va venir coudre notre passepoil, d'accord? Mais il faut changer de pied parce que là, je suis sur le pied classique et il me faut un pied pose-fermeture. Ou pose cordonnet, passepoil, etc. Donc moi, je vais prendre mon pied pose-fermeture. Alors celui-ci, il est large. Je pense que je vais prendre l'autre parce que j'en ai deux. Attendez. Dans ma petite boîte à pied, je vais aller chercher celui-là. Parce qu'en fait, j'ai deux. J'ai celui-ci qui était fourni avec la machine et j'ai investi dans un plus gros pour quand je passe de l'épaisseur. Mais là, je pense que ça va surtout me gêner. Donc là, ça va être plus simple pour passer. Alors, hop, je vais vous zoomer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'aller. Parfait. Alors, je vais rapprocher ma machine.
le mettre comme ça. Et vous me direz si il faut zoomer, si vous ne voyez pas bien. Je vais peut-être... Attendez, je vais ouvrir cette... Enlever le store. Voilà. Je pense que vous avez plus de lumière. Alors, là, à ce stade, on va juste faire... Ah oui, si je dégomme le pied, ça va pas du tout. Une couture de maintien, d'accord. Le but, là, est que le passepoil reste en place. Et on viendra le coudre au point droit après. Donc là, c'est vraiment une couture de maintien. Donc, je me place de manière à pouvoir coudre sur le passepoil. Mais je ne vais pas venir coudre à ras, d'accord. Hop, je vais déplacer mon aiguille. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, par contre, vu l'angle du pied. Alors, attendez, peut-être que je peux vous mettre plus comme ça. Vous me direz. D'accord. Ici, donc moi, je vais venir piquer. Je vais vous montrer avec mon stylo. Au lieu de venir ici au ras du passepoil, je vais me décaler un petit peu. Le but, c'est juste qu'il tienne en place. Donc, je vais faire une petite couture de maintien. Et je vais mettre mon point autour de 3. Mais parce que moi, j'aime bien les points allongés. D'accord. Hop. Parce que je me suis mal organisée avec mon pied, du coup je tape dedans et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière, donc je vais vous mettre de la lumière. Ok, alors on y va. Du coup, on fait un petit point avant arrière. Donc là, c'est vraiment une couture de maintien, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'aller droit. Le but est juste de fixer le passepoil en place et on doit suivre la courbe avec ses mains, d'accord. Donc on vient suivre la courbe de la pièce. Si jamais ça part tout droit et que vous avez des soucis, n'hésitez pas à planter l'aiguille, lever le pied et vous replacer. Hop là. On va mettre les petites pinces dans leur, à leur place. C'est lire vos commentaires en même temps. Ça a l'air d'aller. Il y a Claire. Parfait, qui a donné les infos à Letty, donc tout va bien. Bon, alors si vous avez l'habitude de couper du passepoil, vous n'êtes pas obligé de faire une couture de maintien. Moi, je le fais parce que ça sera plus net et plus facile en live. Mais si vous êtes habitué, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes. Hop. Alors, voilà. Donc, ma pièce est cousue. Vous voyez, je coupe tout ça. Voilà, donc là mon passepoil il est en place. Je vais dézoomer un petit coup parce que du coup c'est très grand. Ah, j'arrive pas. Voilà. Voilà, donc là ma pièce, vous voyez mon passepoil il est cousu. Je suis un peu loin, c'est normal. Moi je voulais vraiment qu'il tienne en place pour l'étape suivante. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'aller, ambiance studieuse. Bon, alors je continue, si je vais trop vite, vous me dites. Du coup, une fois que j'ai fait cette pièce-ci, je vais venir prendre la même pièce, la pièce PA, du coup, qui n'a pas le fermoir. Et je vais venir la placer endroit contre endroit avec ma pièce passepoilée. Du coup, là, c'est important de bien aligner. Donc, vous alignez bien le bord haut, OK, et les côtés ici. En fait, le passepoil, il se retrouve pris en sandwich entre les deux pièces. Donc, je vais venir ici et je place des pinces. Alors, je peux placer une pince sur le côté aussi, hein, si je ne veux pas que ça bouge. Ah, Julie. Mais moi, je vous montre, enfin, je couds sur celle-ci parce que, voilà, c'est ma nouvelle machine. Mais le but est d'avoir chacune l'outil qui vous plaît. Hop, mais Julie, elle dit peut-être ça parce qu'elle voudrait la même machine que moi. Alors, on y va. On met des pinces, donc on continue de mettre des pinces tout le bord. J'ai l'impression que j'ai fait un petit décalage. Je pense que j'ai pas commencé pile poil. Alors. Voilà. Donc là, j'ai mes deux pièces qui sont donc endroit contre endroit. OK, alignées en haut. Je peux tourner pour vérifier qu'il n'y a pas trop de plis. On peut mettre plus de pinces aussi si besoin. Et avant de coudre, je vais venir faire des petites incisions, cranter l'arrondi pour que le tissu se place mieux parce que c'est un tissu entoilé. Alors, je vous montre. Ici, je vais mettre du côté de la couture du passepoil. Comme ça, je suis sûre de ne pas la couper.
là, dans l'arrondi, pour avoir des finitions plus jolies et que ce soit plus facile à coudre, je vais venir avec une paire de ciseaux faire des petites incisions, d'accord, de manière régulière. Mais attention, je ne coupe pas ma couture du passepoil. Vous avez vu, je m'arrête avant. Je fais des incisions sur environ 0,5 cm parce que 0,5 mm, je vais avoir du mal. On peut le faire sur toute la longueur ou pas. Moi, je continue tranquillement, mais on peut le faire aussi que dans l'arrondi, il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez. Alors, j'ai vu passer une petite question. Le boudin du passepoil doit être 1 cm. C'est bien cela. Je mets toujours trop proche. Du coup, souci, merci. Oui, tu dois le mettre à 1 cm, mais tu peux le déplacer un petit peu en haut. Ah, alors, Baby Love, elle dit, j'ai raté le live de la besace. Baby Love, on n'a pas fait grand-chose. Je te résume si tu veux. On a posé le fermoir magnétique sur la pièce PA, d'accord, ici, la partie femelle. Ensuite, on est venu passepoiler le haut de la pièce, ici. On a déplacé le passepoil à 1 cm. On a fait une couture de maintien et ensuite, on a placé les deux pièces PA comme ça, endroit contre endroit, tu vois, comme ça. On a le passepoil entre les deux, pris en sandwich. Et là, on s'apprêtait à faire une couture à 1 cm en haut. Voilà un petit résumé. Ok, alors on y va. Donc là, je vais me replacer et je vais faire une couture à 1 cm du haut. Alors moi, mon pied post-fermeture, il n'est pas large du tout. Donc je vais venir, hop, essayer de venir le plus près possible. Celui-là, parce qu'il est petit. Et on va voir ce que ça donne. Alors, donc j'ai pas encore trop pris en main ma machine. J'ai fait quelques projets, des besaces loups essentiellement. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit point avant-arrière. Ah, il y a du vent et mes pièces, attendez, en papier s'envolent. Je vais la caler ici, voilà. Et je vais venir faire une couture le long du passepoil. Donc, mon passepoil, je vais le décaler à 1 cm du bord. D'accord, Baby Love, avec plaisir pour le résumé. Si vous n'avez pas placé de passepoil, vous faites simplement une couture au point droit à 1 cm du bord de la pièce, ok? Voilà, j'avance tranquillement et je suis le bord du passepoil. Si vous avez peur de piquer trop loin du passepoil, pas de panique, vous pouvez faire un premier passage. Après, on va vérifier ce que ça donne et si besoin, on pourra refaire cette couture plus proche. Je vous dis ça parce que moi, comme ma Marion, je la connaissais par cœur, on était très copines toutes les deux, j'étais sûre de moi. Là, je coupe, mais j'ai toujours l'incertitude de si je vais bien faire puisque on est copines, mais on se connaît pas, on n'est pas assez intimes toutes les deux. Alors, j'ai vu quelle question. Je crois que Claire gère, donc je vais la laisser répondre. Alors, on obtient ceci, d'accord? Est-ce que vous avez assez de lumière ou pas? Si besoin, je vais te faire tomber toutes mes affaires. Si besoin, je peux allumer la lumière du plafond. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas. Donc du coup, j'obtiens ceci. Ok. Donc si on retourne, on va voir que là, j'avais ma couture de maintien et que j'ai cousu au-delà. On va voir ce que ça donne maintenant. Si je suis assez proche. Donc là, j'avais fait, vous avez vu, des crans. Donc je vais vérifier, mais je vais les agrandir mes crans après. Je vais juste voir ce que ça donne. Donc je vais rabattre les deux pièces envers contre envers. Oui, c'est pas mal, c'est bien. Et donc, je dois avoir mon passepoil qui vient souligner le haut de la pièce. Donc, ça m'a l'air pas mal. Bon, ici, j'aurais pu venir un peu plus près. Donc, je vais venir un tout petit peu plus près, mais ici seulement. Hop, je vais faire une petite reprise. Et après, je vais replanter. Mais bon, je pinaille, hein. Franchement, je suis pas mal du tout. Ok. Luminosité impec, clair, parfait. Alors, du coup, comme je sais que ça va bien, je vais venir agrandir mes crans. D'accord. Je vous montre ici. J'avais fait des petits crans tout à l'heure pour m'aider. Vous voyez, ils ne vont pas vraiment jusqu'à la couture et du coup, bah, j'ai beaucoup de matière, notamment ici où je n'ai pas cranté. Donc, je vais venir agrandir mes crans pour venir presque jusqu'à la couture, mais encore une fois, sans couper la couture. Sinon, bah, il faudra refaire. Hop. C'est pour aider la matière à mieux se placer. Donc là, si vous avez votre petit fer à repasser et que vous voulez l'allumer pour repasser, c'est possible. Moi, il est un peu loin pour l'allumer. Je vais faire sans, mais vous pouvez.
Hop, donc maintenant je replace mon tissu, mes deux pièces envers contre envers. Et c'est à ce stade que je peux passer un petit coup de fer là pour que ce soit bien net. Je ressors bien mon passepoil. Ah, ce coloris de passepoil, il est canon avec ce tissu. Hop. Alors oui, hier j'avais des questions sur le tissu, c'est le tissu Kala. J'ai reçu en petit message, voilà, que je vous ai ajouté aussi au maître sur le site. Hop, donc quand j'ai fait ça et que j'ai passé un petit coup de repassage, ce qui n'est pas mon cas, mais chez vous, ce sera bien, d'accord, tout ça. J'aligne bien, j'essaye au moins d'aligner le bas de la pièce comme ça. Donc deux choix, soit je pars du haut et je tire, et je peux avoir un mini décalage, c'est pas grave parce que je pourrais retailler. Soit je pars du bas comme ça, j'aligne bien en bas, hop, et je remonte pour bien plaquer la pièce. Idéalement, c'est quand même mieux de repasser. J'ai tellement chaud, je vous avoue que si j'allume, je pense que ça va être horrible. Alors, voilà. Donc, je mets bien les deux pièces. J'essaye de les faire correspondre l'une en face de l'autre. Donc là, j'ai de l'épaisseur. Mon fermoir magnétique, vous voyez, se trouve le dos entre les deux. Et de l'autre côté, on ne va plus le voir. C'est normal. Hop. Et je place mes petites pinces. Parce que je vais avoir un mini décalage. C'est possible. Voilà. Et je sors mon passepoil. Est-ce que ça va chez vous? Tout va bien? Je vois que Claire est en forme. Elle est au taquet. Elle lui met tous les liens et tout. Voilà. Donc ça me donne ceci. Voilà, c'est ma pièce qui est prête à être cousue. Je vous la montre de l'autre côté. Bon, là, je suis un petit peu loin. J'étais un peu dans le passepoil. Et là, le bas est bien. Ok, donc là, ce que je vais venir faire, pour fixer la poche, je vais venir faire une surpiqûre au point droit à environ 0,5 cm sous le passepoil. D'accord? Salut Arlette, comment tu vas? Hop, donc, je vais venir positionner mon pied. Je vous zoome un peu. Voilà. Et je vais, du coup, moi, me décaler l'aiguille pour qu'elle soit de l'autre côté. Et on fait une surpiqûre, donc on peut allonger un petit peu notre point si on veut. Cathy, moi, je fais la taille 2. Mon chat est sur mes affaires. Ah, Linda, parce qu'il a envie de participer aussi. Donc, moi, je vais chuter à 3. Je vais m'allonger, mais c'est histoire de dire je vais mettre à 3,5. Mais je pense que vous pouvez rester à 3 si vous voulez. Moi, j'adore coudre en point allongé. Donc, on va venir surpiquer le passepoil, la couture là, hop ici. Alors, ce qui est important là, c'est de prendre votre temps pour essayer d'avoir quelque chose de régulier parce qu'on a un arrondi ici, d'accord? Donc, je vais faire un petit point avant-arrière et je viens tranquillement. Je laisse la machine avancer. Moi, je me suis mis à peu près 0,5 sous passepoil. Voilà, et je suis ma petite courbe tranquillement. Le but est de venir souligner la pièce. Et je vais jusqu'au bout. Un petit point arrière. Et ah, j'avais très zoomé, vous ne voyez plus l'ouvrage. Attendez, chez vous. On va dézoomer un petit coup. Voilà. Donc ça donne ceci. J'ai mon passepoil qui est fixé en place, qui ne bouge plus, ma petite surpiqûre et ma pièce, elle est prête pour plus tard. Ce que je peux faire ici, c'est couper les bords, mais je le ferai à la fin. Vous verrez quand je vais venir assembler ma poche sur la face avant du sac. Donc ça, ce sera au montage final, ok? Enfin, montage de la partie extérieure. Ce qu'on peut faire ici, c'est une petite couture de maintien sur tout le tour pour pouvoir enlever les pinces et ne pas avoir, comme là, du coup, une pièce qui va s'ouvrir. Donc pour ça, hop, je vais changer mon pied, je vais mettre un pied classique. Est-ce que ça va? Ah, Claire, elle demande si Julie n'a pas envie de coudre. Je suis sûre qu'elle a envie. Donc ça, c'était pas mon bon pied, excusez-moi. C'était celui-ci. Hop. Donc, je vais faire une petite couture de maintien. Alors là, le but est de coudre près du bord à moins d'un centimètre. Donc, je vous montre un centimètre, parce qu'on aura une couture d'assemblage ici à un centimètre. Donc, peu importe l'endroit où je me trouve, mais moins d'un centimètre pour que cette couture disparaisse ensuite dans la marge de couture. Ok? Allez, on y va. Donc là, moi, je vais laisser mon aiguille à droite, ça me va bien. Ce qui est important, c'est de prendre son temps pour ne pas créer de décalage. Comme on a entoilé les pièces, en théorie, elles ne devraient pas bouger.
Vous avez vu ici, j'ai un mini décalage, mais c'est pas grave puisque je vais coudre à 1. Et puis moi, vous savez, quand je coupe mes pièces, je suis pas d'une rigueur absolue. Alors, on y va. Un point droit, un zigzag. Françoise, un point droit, ça suffira largement et on peut rester en point allongé. Comme c'est une couture de maintien, on n'est même pas obligé de faire un point avant-arrière puisque cette couture, elle va disparaître par la suite. Mais je me suis mis peut-être un peu au bas. Voilà. Donc, je suis la courbe de ma pièce. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'aller. Je sais pas vous, mais moi j'adore mon tissu. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Mon mari m'a dit non, des squelettes j'aime pas, et je l'ai pris quand même. Et je pense que j'ai bien fait parce que je le trouve très beau. J'arrive en haut, je peux faire un point avant arrière ou pas, peu importe. Moi, je vais pas en faire. Voilà. Donc ici, là, voilà. Notre pièce, elle est prête pour plus tard. Alors, elle est un peu rigide parce qu'elle est entoilée, d'accord? Mais c'est le but, c'est qu'elle se tienne aussi quand même pas mal. Bien penser à être à moins d'un centimètre. Oui, elle a raison, Christine. Christine, est-ce que tu cours en même temps ou tu regardes et tu papotes, dis-nous? Est-ce que tu fais une énième besace, Lou? Allez, je prends un petit coup en vous attendant. Voilà. Alors, cette pièce est terminée. Félicitations, on a notre pièce de face avant. Donc, je vous attends. Dites-moi si c'est OK pour vous. Là, vous pouvez couper ou pas. Moi, je vais le garder pour plus tard. Parce que là, celles qui sont hyper pointilleuses vont couper tout de suite. Moi, je vais le garder parce que quand je vais placer ma pièce sur la face avant, je le couperai au dernier moment. OK? Tout va bien pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que cette pièce, ça va? Vous l'avez terminée? Est-ce qu'elle vous plaît? Ou est-ce que vous êtes bloqué? Dites-moi. Bon, profitez pour ranger les petits fils qui traînent, parce que sinon, je vais en avoir partout. Hop! C'est bon pour toi, Sandy? Eh bien, très bien. Alors, si c'est bon pour vous, on va avancer. Donc, ah, Christine a dit elle ne coupe pas, sinon elle n'arrive pas à commenter. C'est vrai que c'est compliqué de faire les deux en même temps. C'est bon pour Audrey aussi, parfait. Elisabeth, tout va bien, et bien génial. Donc on a notre première pièce, félicitations, qui est prête. On va pouvoir la mettre de côté avec nos autres pièces de sangle et passant. Je vais la mettre ici. C'est top ici, mais ben parfait, ça me fait trop plaisir. Alors là, on va faire une pièce facile, facile. Attendez, je range un petit peu. Je vais prendre, donc on va prendre les deux pièces pays qui sont là, d'accord. Normalement, donc pays, c'est ça. Cette pièce-là, vous avez une pièce en coton imprimé en toilé et une pièce en suédine. Ah, Karine, ta machine t'embête, ben oui. Ne t'inquiète pas, là, c'est facile, ce qu'on fait, tu vas pouvoir rattraper très rapidement. Donc, deux options. Soit, parce que c'est surtout pour celles qui ont pris un kit ou celles qui font la taille 4. Je vous avais indiqué 1 mètre de passepoil parce que je pensais passepoil et le rabat et la pièce de face avant. D'accord ? Josiane, merci beaucoup. Je ne sais pas quel tissu tu utilises. J'ai hâte de voir, Josiane, ce que tu fais. Du coup, si vous ne faites pas la taille 4, normalement, vous avez assez de passepoil pour venir passepoiler aussi cette pièce-là. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous souhaitez passepoiler la pièce pays, tout à fait. De la même manière, on va venir positionner notre passepoil sur le haut de la pièce. On va faire une couture de maintien. Et ici, on va venir, hop, assembler. Moi, je pense que je vais le faire parce qu'il y a assez de passepoil. Sauf si vous faites la taille 4, ça va être juste. J'avais pas prévu de la faire, mais comme on est dans les passepoils, on y va. Ok? Si vous n'avez pas envie de passepoiler la pièce, simplement les deux pièces comme ça. Endroit contre endroit. Hop. Et on coud à 1 cm. C'est exactement la même chose. Donc moi, je vais passepoiler. Allez, soyons fous. Hop. Et je vais recommencer. Donc on fait exactement la même chose, d'accord? On vient placer notre passepoil sur le haut de la pièce. On le décale à peu près 1 cm. Je ne suis pas totalement, mais c'est pas grave. Hop. Et on y va. Qu'est-ce que vous faites?
Le groupe spécial Besace Loup est-il activé? Oui, tout à fait. Il s'appelle Coudre la Besace Loup. Je l'ai activé une demi-heure avant le live, donc sans doute que vous n'avez pas vu. Mais je vous ai mis le lien direct dans cette publication et également sur l'événement. Hop. Voilà. Donc je fais exactement la même chose et j'ai perdu mes ciseaux. Tout va bien, tout est normal. Hop. Voilà. Et pour le coup, je vais rechanger mon pied. Donc je vais refaire une couture de maintien. Ça vient parce que vous me regardez. Ah, on fait payer, oui, tout à fait. Allez. Du coup, j'ai pris l'autre pied, c'est pas grave. Et on va faire une petite couture de maintien le long de, du haut de la pièce payée. Donc moi j'ai mis mon passepoil, vous allez voir, sur le coton imprimé parce que c'est plus facile que sur la suédie. Mais si vous êtes l'âme aventurière, vous pouvez le faire directement sur l'autre aussi, il n'y a pas de problème. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre la pièce en tissu extérieur, donc moi c'est ma suédine noire, et on vient exactement comme pour la face avant placer les deux pièces endroit contre endroit en alignant le haut et les côtés. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? J'ai un peu accéléré sur ce passepoil et j'avoue, et je fais une petite taille. Si vous faites une grande taille, vous allez mettre plus de temps. Le passepoil c'est la vie, oui Christine. J'ai pas assez de passepoil, tu es déçue. Géraldine, si tu utilises un kit, ce n'était pas fait pour passepoiler cette poche. Je le fais parce que je sais que plein de gens vont le faire. Et du coup, je ne veux pas que vous soyez en train de courir, mais ce n'était pas fait pour ça normalement. Donc si tu n'as pas assez, c'est pas grave, ne passepoile pas cette poche. Elle est dans la doublure, ça, personne ne va le voir. Alors, hop, je vais venir coudre 1 cm du bord. Le passepoil, hop. Ceci, ça va bien, et je rabats simplement les deux pièces envers contre envers, et de la même manière que tout à l'heure, je vais venir surpiquer. Alors notre pièce de poche, on a le choix, vous allez voir, hop, quand on va la placer, on aura le choix de mettre soit face à nous le coton imprimé, vous allez voir dans le sac. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, je vais vous chercher. J'arrive la pièce de doublure. Alors, elle n'est pas assemblée encore. Mais ça va vous aider à vous projeter. Donc, on va avoir notre doublure. On est à l'intérieur du sac, d'accord? Donc, on pourra choisir de placer la poche comme ceci ou comme ceci. Donc, moi, je vais choisir d'avoir la suédine à l'extérieur parce que je trouve ça sympa. Et ça me doublera ma poche en coton. Coucou Carole, comment ça va? Bienvenue. D'accord, donc je vous dis ça parce que c'est quand même mieux de surpiquer du côté qui nous intéresse, qui va être face à nous. Donc moi, du coup, je vais surpiquer du côté de la suédine. Je tire un petit peu. Vous êtes très studieuse, concentrée. Voilà, on y va. Et donc, j'essaye d'aligner bien le bas de la pièce. Alors, moi, ma suédine, ouais, ça va aller. Je vais la fixer comme ça, pas qu'elle bouge. Ok. Donc, si vous surpiquez sur la suédine, un conseil, en fonction de votre machine, faites un petit test déjà sur une petite chute. Je pense qu'un pied téflon en roulette est pas mal, ou un pied double entraînement. D'accord, avec ma machine, moi, j'ai pas de soucis. Mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à changer de pied. Normalement, ça se coud bien. Hein, parce que la Besace Loup, ma première, je l'ai cousue sur ma machine Marion et j'ai pas eu de soucis. Donc, on fait exactement la même chose ici. On va faire une petite surpiqûre au point droit. D'accord,
et on va se mettre à peu près à 0,5 cm sous le passepoil pour souligner tout ça. Voilà. Et j'avance tranquillement. Désolée, j'accélère un tout petit peu sur cette étape parce que je vois l'heure qui tourne. C'est vrai, quand on commence plus tard, bah forcément on finit plus tard. Voilà. Et je fais un petit point arrière. Voilà. Et ça donne ceci. Donc là, je passe, je pense que vous ne voyez pas trop mon point parce qu'il est noir, mais c'est très joli. Et je suis soulignée, j'ai le passepoil qui est souligné. D'accord ? Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir faire une petite couture de maintien sur le côté de ma poche pour ne pas garder une pièce ouverte. D'accord ? Donc, je tends bien, je mets des pinces et je vais faire une petite couture sur tout le tour. Donc, à moins d'un centimètre, donc je peux me mettre à 0,5, ce sera très bien. Si, comme moi, vous avez un mini décalage, parce que je découpe pas très bien, je découpe rapidement mes pièces. C'est pas grave du tout parce qu'on va avoir un assemblage à 1 cm ici. Donc vous voyez que ça, ça va disparaître complètement dans la marge de couture. Voilà. Alors dans le pack additionnel, la fermeture, je mets la pièce B à coller au curseur. Bah, écoute Sophie, je ne connais pas toutes par cœur toutes les pièces du pack additionnel. Je pense qu'il faut que tu regardes parce que j'ai peur de te dire des bêtises. Alors, là, pour piquer, vous mettez du côté que vous voulez. Moi, je pense que je ne vais pas me mettre du côté de la suédine parce qu'ici, c'est là que j'ai le mini décalage. Donc, je vais me mettre de ce côté-là. Mais ça revient strictement au même. Et je vais me faire un petit point droit sur tout le tour, tranquillement. Alors, j'essaye de ne pas créer de décalage. Je tends bien mon tissu, par contre, ici. D'accord ? Pour pas avoir de vagues au milieu, ça c'est important. Dans l'angle, dans l'arrondi, je plante et je me remets. Qu'est-ce qu'elle dit Christine? Elle a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Hop. Qu'est-ce que ça donne? Tout va bien. Est-ce que tout va bien chez vous? Je ne vous entends plus, je pense que vous travaillez, vous êtes à fond. N'hésitez pas s'il y a des questions. Là, ce n'est pas des étapes difficiles. C'est assez facile. Hop. On commence en douceur. Voilà. Ouf, j'ai pas de plis. Moi, j'ai toujours la pression en live de faire des plis. Et que vous le voyez, mais là, ça va. Je peux dire que je n'en ai pas. Hop. Ah, c'est parce que tu as répondu plus vite que Claire, mais tu as raison. Gaëlle, elle dit, moi je le ferai en replay la semaine prochaine, pas le temps cette semaine. Et bien, il n'y a pas de problème Gaëlle, c'est déjà sympa de venir nous voir. Les replays, ils ne vont pas avoir de durée dans le temps. Hein, donc vous pouvez vraiment coudre quand vous voulez. Attendez, je coupe un petit bout de tissu qui me gêne. Voilà. Donc tout est fini samedi, parfait. Elle coupe plus vite que moi samedi. Et donc ça me donne ceci, donc ma poche. Moi j'ai choisi de mettre la suédine visible et à l'intérieur le coton. Voilà, donc je répète. Un récap de ce qu'on a fait là ce soir jusqu'à on a la poche intérieure. J'ai le passepoil qui dépasse, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Voilà, qui est passepoilé, surpiqué et couture de maintien. Et j'ai ici ma poche de face avant, pareil, qui est prête. Voilà. Et bien, Katie, avec plaisir. Katie, elle disait qu'elle n'entendait pas. Et du coup, comme on ne peut pas mettre de sous-titres, j'ai des filles qui lui résument tout. Donc, merci les filles. Alors, c'est bon pour vous? On va s'occuper de notre rabat maintenant. Alors, moi, je vais allumer mon fer. Alors, bien sûr, il est trop loin, sinon c'est pas drôle. Hop, je sais pas. J'arrive. Voilà. Donc là, il me reste mon fer normal que je vais garder pour tout à l'heure. Et là, on va s'occuper de la décoration du rabat. Mais je vous attends. Dites-moi si tout va bien.
J'en profite pour boire un petit coup. C'est trop beau, elle dit Aurore. Eh bien, génial. J'ai hâte de voir vos créations. Franchement, mettez-les sur le groupe. Hein. Après le live, moi, j'adore voir ce que vous faites. J'ai vu que certaines avaient commencé déjà à peine le groupe créé, donc ça m'a fait trop plaisir. Alors, un petit peu de rangement. Bougez pas. La presse est chaude, tout va bien. Alors, là, on va avoir besoin de la pièce DR2, donc décoration de rabat 2. D'accord ? Diane, elle dit, c'est superbe, génial. Eh bien, super, j'ai hâte de voir ça. Donc, elle est là. En fonction de comment vous l'avez découpée, si vous êtes mis sur l'endroit ou l'envers du tissu pour couper, soit elle est comme ça, soit elle est comme ça, ça n'aura pas d'impact, d'accord ? De toute façon, vous voyez en miroir, donc vous aurez du mal à voir quel est le bon sens en regardant comme ça. Donc, je vais avoir besoin de cette pièce et de mon restant de passepoil que j'ai jeté, il est là. Donc, exactement de la même manière que tout à l'heure. D'accord, on va venir positionner le restant de passepoil, hop, à 1 cm du bord, voilà, sur toute la partie en biais, voyez ici, ok. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, vous pouvez soit vous déplacer 1 cm, soit vous mettre à ras, ça n'aura pas d'impact. Si vous préférez aligner le passepoil au bord du tissu, ça donnera ça après, il n'y aura vraiment pas de souci. Donc c'est vous qui décidez. Moi, je vous avoue, j'ai tendance toujours à décaler, donc je vais garder ma petite technique. Mais vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Le but, c'est quand même de le placer droit quand même. Même principe que pour les poches, oui, tout à fait clair. Hop. Un jour, ce serait drôle que vous veniez en live, qu'on fasse un live tout ensemble. Ça me ferait d'ailleurs plaisir. Alors, on pourrait avoir des invités pendant les lives aussi. Moi, je pense que l'invité aurait un peu la pression, mais ce serait drôle. Hop. Je place mon passepoil. À demain, Marie-Laure. Le replay, et je vais l'activer juste après. Là, on a presque fini. Enfin, presque fini. Là, on va s'occuper du rabat. On va essayer de s'arrêter avant 20h, par contre, mais je pense qu'on aura fini. Alors, voilà, donc mon passepoil est placé, d'accord, en pyjama si tu veux, pas de problème. Alors, mon passepoil, comme tout à l'heure, ça me fait rire parce que, en fait, je réponds à vos commentaires, mais Facebook, vous allez voir les commentaires, mais en replay sur YouTube, je pense qu'on ne les voit pas. Et du coup, les gens, ils se demandent ce que je raconte, parce qu'ils ne voient pas vos commentaires. Alors, on est prêt. On est comme ça et on va faire exactement pour voir les testeuses en action, elle dit Josiane, mais oui, carrément. Alors là, cette fois-ci, on ne va pas faire une couture de maintien, d'accord? On va venir faire une couture au bord du boudin parce qu'après, on va replier directement. On ne va pas venir doubler cette pièce. C'est la petite astuce. Donc, je vais remettre mon aiguille au bord du pied. Je me positionne et j'essaye de venir au bord du passepoil. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Alors, on fait un petit point avant arrière. J'ai du fil qui traîne, bien entendu. Voilà. Et on va tout droit. Donc, on essaye de vraiment suivre le bord du passepoil. On prend son temps. Là, c'est une ligne droite, donc c'est plus facile quand même. Et en termes de réglage de points, je suis autour de 3. D'accord. Maryse, à demain. Ouais, je vois comme du coup on commence plus tard, mais c'est peut-être plus simple pour vous 18h30. D'ailleurs pour moi c'est moins speed. J'ai moins besoin de courir pour être à l'heure. Hop, voilà. Donc j'ai cousu mon passepoil. Alors je suis pas totalement à ras, mais je suis pas mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se servir du fer à repasser. Donc du coup, ici, une fois qu'on a fait ça, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. On est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça c'est mon petit tuto là, mon anti-sèche. Donc je vais me mettre sur le tapis à repasser, d'accord? Et je vais venir ici, tourner la pièce et je vais rabattre. Voilà, comme ceci. Mais vous pouvez le faire comme ça, c'est plus simple. Donc je suis sur la partie en droit, je vais replier pour que le passepoil en fait passe ici à l'arrière et avoir juste le boudin du passepoil qui souligne la pièce. Donc d'accord, si vous avez cousu un peu loin comme moi, c'est pas grave. Vous tirez un tout petit peu. Il faut bien que le tissu il vienne se mettre
au bon endroit. C'est pas grave du tout. Et c'est là qu'on va utiliser notre fer à repasser pour bien bien fixer la marge de couture en place, parce que je ne veux pas qu'elle bouge. Voilà, donc au dos, ça vous donne ça. D'accord ? Je vais la repasser encore une fois. Hop. La poche d'IP aussi, ça peut être une très bonne idée. Je ne l'ai pas fait en live parce que je voulais que ça reste accessible au niveau moins avancé. Mais oui, vous pouvez tout à fait travailler en autonomie et rajouter sur votre ouvrage en cours. Donc ça nous donne ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, replier la pièce. Ah oui, bah, donc vous commentez, donc c'est bon. Donc là, deux options. Soit je ne suis pas à l'aise et je viens surpiquer ma pièce ici, d'accord, avant de la placer. Soit je suis à l'aise, qui est mon cas, et je vais la placer directement et je vais surpiquer après. Donc là, à cette étape, je vais avoir besoin de la pièce R du rabat en tissu extérieur. Donc là, c'est la suédine, d'accord. Oui, Sylvie, c'est pas que mon jardin, c'est les oiseaux qui sont tous dehors, mais oui, on les entend, je trouve que ça détend. Ah, Véronique, quel bonheur de coudre au rythme des chants des oiseaux. Vous êtes poétique ce soir. Du coup, bon, on entend aussi le camion poubelle qui passe, tout ça, mais là, c'est pas l'heure. Du coup, on prend notre pièce, là, R, d'accord, en tissu extérieur. Et on est en train de faire une option du pack additionnel, hein, je ne vous ai pas précisé. On va venir prendre notre décoration de rabat numéro 2. J'essaye de viser pour être en face de la caméra. Et on vient positionner la pièce envers contre endroit. Donc l'envers de la poche de la pièce de décoration de rabat contre l'endroit de la partie extérieure. Voilà. Et je viens ensuite le placer. Donc j'aligne bien ici. Attendez, je vais sortir du tapis, vous verrez mieux. Ce sera plus simple parce qu'il sera sur fond blanc. Voilà. Donc, je vais venir ici bien aligner le bas de la pièce et les arrondis, mais aussi les côtés. Donc, prenez votre temps pour tout bien placer. Normalement, ça se place bien. Et je viens ici. D'accord ? Et je vais venir mettre des pinces. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez d'abord piquer, vous pouvez, mais il faudra repasser une deuxième couture. Donc, moi, comme je n'ai pas envie, je vais le faire directement. Voilà. Donc, je place bien ici. Et donc, ma première couture va être là. D'accord ? Je ferai le tour après. Donc, vous pouvez fixer le bas quand même, si vous voulez, avec une petite, des petites pinces. Vous avez le droit. Mais on ne va pas coudre tout de suite ici. Peut-on laisser cette partie ouverte pour mettre une fermeture ? Katie, tu peux, dans le pack additionnel, tu as le rabat zippé ici. Si tu veux. Vous pouvez aussi couper une deuxième pièce comme ceci. Je suis en train de vous faire un additionnel de l'additionnel qui n'existe pas. Vous pouvez aussi couper une deuxième pièce comme ceci et faire pour faire une poche ici. Vous voyez, une petite poche, voilà. Mais par contre, attention, quand on va ouvrir la besace, elle va se tourner. Mais vous pouvez très bien doubler cette pièce pour avoir, je vous montre, comme là. Vous voyez, on avait fait une poche. Exactement, vous pouvez très bien doubler cette pièce et puis vous en servir comme d'une poche ici. Quand on va coudre là, du coup, vous aurez accès dedans. Mais ça, c'est pas ce qu'on fait parce que c'est pas prévu. Mais voilà, c'est une idée comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, ok, on va ici venir surpiquer le haut de la pièce là. Donc, je vais vous retourner. Oups, là. Et je vais le faire. Donc, si vous avez un tissu qui a tendance à bouger ici, vous pouvez mettre un petit coup de masking tape. Je vais voir si j'en ai dans mon tiroir juste derrière. Pour fixer en place, je crois que je ne l'ai pas rangé. Si. Pour fixer en place la pièce et qu'elle ne bouge pas. Alors si vous avez déjà surpiqué, il n'y a pas de problème. C'est pour éviter une double couture. Voilà. On met un petit bout. Comme ça, on est tranquille. Ok ? Alors, on va venir exactement comme tout à l'heure. On va venir avec notre pied, pose fermeture. Je vais venir au plus près aussi ici et je vais décaler mon aiguille de l'autre côté. Hop, on zoome un petit coup. Attendez, j'ai pas ma bonne main pour zoomer. Voilà. Attention. Voilà. Donc ici, notre but, c'est de ne pas créer de décalage. Donc, on y va tranquillement. D'accord ? On va faire cette couture et ensuite, on fera comme ça. Ok ? Alors,
On y va. Donc moi j'ai mon point autour de 3,5, c'est bien, on peut le mettre même à 4 si on veut. C'est vous qui décidez. Et je vais faire un petit point avant-arrière. Voilà. Et je vais venir le long du passepoil pour bien fixer ma pièce en place. Donc là je suis en train de la fixer sur le rabat, d'accord, et de surpiquer en même temps. Quand j'arrive sur le masking tape, je le déplace. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça prend forme, ça prend forme. On n'avait même pas pensé à cette version. Moi non plus, je viens d'y penser. Donc là, on a... Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne bouge plus. On a la pièce de face à, de rabat qui commence à prendre forme. Je vais vous dézoomer un peu parce qu'elle est grande. Donc forcément, si vous travaillez sur une grande taille, ça va vous prendre plus de temps. D'accord? Donc on est comme ça. Ça commence à être beau tout ça. Donc une fois que j'ai fait ça, même principe que tout à l'heure, je vais venir faire une petite couture de maintien au point droit pour ne pas que cette pièce ne bouge. Alors attention, il faut y aller tranquille pour ne pas créer de décalage. Parce que si vous créez du pli ici, vous allez le répartir et le ramener en haut. D'accord? Donc on prend vraiment son temps et on plaque bien le tissu. C'est pour ça qu'on a entoilé cette pièce. Là, je vais faire du coup une couture au point droit sur tout le tour. Ok, je vois plein de petits cœurs, on dirait que ça vous plaît. Donc c'est chouette. Et j'y vais. Donc c'est une couture de maintien. Là je vais quand même faire un petit point avant-arrière. Et j'y vais tranquillement. Je fais le tour. Donc là je suis en train de faire la partie extérieure de mon rabat. Et je suis sur le pack additionnel. Donc le rabat de la Bezestou, il en existe plusieurs de mémoire. Il y en a 4 dans le pack additionnel. Vous pouvez faire aussi la version unie du patron de base et la version flex du patron de base. Donc vous pouvez faire 6 rabats différents. Je pense même plus si on s'amuse, mais à un moment je me suis arrêtée parce que je me suis dit, si je vous fais 15 000 rabats, vous n'allez pas savoir quoi choisir et vous allez être perdu aussi. Hop. Mais on peut vraiment s'amuser. Moi au début, je vais vous le dire après, mais au début, je finis ça et je vous montre ce que je voulais faire au début. Bien, j'ai pas de pli pour l'instant, touchant du bois, hop, voilà. Merci Sophie, elle dit le tissu est très joli, mais il y a des tissus comme ça, on se dit quand ils vont être cousus que ça va être beau, mais il faut les voir cousus. Donc moi ce que je vous propose aussi, sinon si vous voulez vous amuser, vous pouvez très bien prendre le rabat, vous voyez, extérieur, et venir mettre plusieurs bandes de tissu, un peu comme elle fait By Jen, par exemple. Là, je peux avoir fait ça, et ici, venir rajouter, je ne sais pas, je vous montre avec un autre tissu, mais venir rajouter, par exemple, alors ça, c'est cousu. Je vais mélanger toutes mes pièces, c'est pas grave. Venir, par exemple, mettre un autre morceau de tissu ici, vous voyez, le coude, enfin le coude en faisant un petit peu un truc joli, comme ça, et ensuite, venir couper. Pour avoir en fait ici un pêle-mêle de tissus sur la face avant, ça peut être très très sympa. Bon, moi je ne l'ai pas fait dans le pack additionnel, mais je pense que ça peut être très cool. Voilà, avec quoi vous entoilez votre sac Jocelyne? Moi j'ai entoilé le tissu avec de la H250, le coton imprimé. Ça c'est une suédine que je n'ai pas entoilée, parce qu'elle tient quand même pas mal et elle n'est pas trop épaisse à coudre. Donc j'avais pas envie de me rajouter des épaisseurs. Donc voilà, ma pièce de rabat elle est finie. Pour le coup là, je vais couper le bord qui dépasse. Hop. Voilà, donc ça me donne ceci. Donc ça, c'est la partie extérieure. D'accord? Et maintenant, on va s'occuper de la partie doublure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais trop vite. N'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, je vais pousser un petit peu la machine. Hop. Et on va s'occuper de la doublure. Donc, il ne nous reste plus qu'une pièce. Il nous reste la pièce D en coton. Hop. Voilà. Donc, c'est la pièce D, n'importe quoi, R, en coton. La pièce de rabat. Donc, elle est en coton. Et normalement, on l'a coupée comme ceci. D'accord? Alors, vous ne voyez pas parce que j'ai le motif dans les deux sens. Parce que le but est que quand on va doubler notre rabat, on va se retrouver avec un rabat comme ça.
D'accord? Donc là, sur l'extérieur, quand je vais l'ouvrir, je veux avoir le tissu dans le bon sens. Donc moi, il est dans les deux. OK? Donc là, même chose que tout à l'heure, vous avez l'emplacement du fermoir magnétique dessus. Donc on va plier, faire des petits trous, des petites encoches pour placer notre fermoir magnétique. Donc c'est tout pareil qu'à la première poche. Je viens faire un trou dans mon patron. Je viens positionner le patron au dos sur le côté envers de la pièce R. Hop, voilà. Crayon. Je reporte le repère de placement. Voilà, et je vais venir inciser exactement comme tout à l'heure. C'est tout pareil. Donc j'essaye de ne pas faire des incisions trop grandes, quitte à les rallonger. Je vais prendre mon fermoir mâle. J'ai perdu ma rondelle. Elle est là. Voilà, mon fermoir mâle, je vais le prendre. Et je vais venir avant préparer un petit renfort comme tout à l'heure. Coucou Cécile, comment ça va? Tu viens coudre avec nous? Alors, tenez, on y va. Donc je reporte le repère de la rondelle ici. Je peux utiliser aussi mon patron, d'ailleurs je n'y ai pas pensé. Et je viens inciser. Hop. Voilà. Donc du coup, j'ai mon renfort. Et là, mon but est de placer ici. Donc c'est mon fermoir mâle, d'accord, qui me reste. Et ben à demain Isabelle, et la suite en replay, d'accord? Ah, c'est gentil. Cécile dit, je viens t'entendre un petit moment, j'adore t'écouter. Eh bien, ça me fait plaisir de te voir déjà. Donc, du coup, ici, là, on a notre fermoir mâle. On va venir l'insérer dans la pièce de rabat qu'on a incisée, d'accord? Exactement comme tout à l'heure. Ah, j'ai l'impression que... Ah non, c'est bon. Donc, on passe les tiges au travers, ici, OK? Et le but est d'avoir la partie mâle du côté du tissu. Je viens ici, je place mon petit renfort par-dessus. Alors, peu importe, on va le mettre comme ça, ça sera plus joli, mais il n'y a que nous qui allons le voir, en réalité. Et je viens mettre la rondelle pour fixer le fermoir ici en place. Comme tout à l'heure, soit vous rabattez vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, c'est comme vous voulez. Hop, il y a deux lives, je crois me souvenir, s'il te plaît. Sylvie, on est au deuxième live ici, donc on a commencé jeudi, on est vendredi, il reste samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc on a quatre lives encore, avec à chaque fois les replays. Alors, c'est bon pour vous ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient positionner la pièce du rabat extérieur. Trop beau, trop beau. Face à moi, et je prends la pièce de doublure du rabat et je les place l'une en face de l'autre, endroit contre endroit, et j'aligne bien les deux pièces. Ok, donc là on n'a pas de souci, normalement les pièces doivent correspondre parce qu'ici on a positionné la pièce de décoration sur une pièce qui était entière. Si vous avez fait une pièce, vous savez, avec une fermeture, ici il faut retailler, c'est-à-dire qu'il faut placer la pièce de doublure dessus, et il est possible que ça ne corresponde pas forcément. Nous, dans cette version, on n'aura pas de problème. Et on va placer nos pinces. Claire, elle dit, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, si vous voulez avoir une notification des replays dès qu'ils sont en ligne, pensez à le faire. Sinon, ils sont aussi sur le blog. Comment ça se passe en fin de live, l'envers des coulisses que vous ne voyez pas? J'éteins. Je dis à Facebook de publier le replay. Parce que sinon vous ne l'avez pas, et je lui dis de ne jamais le supprimer. Ensuite, je télécharge la vidéo sur mon ordinateur, je viens l'importer sur YouTube, ça me prend un peu de temps, et ensuite c'est en ligne. Et ensuite, je viens chercher la vidéo YouTube que je viens implémenter sur le blog. Donc ça me prend un petit moment après le live, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas tout de suite, et en plus il faut le temps de chargement, parce que plus d'une heure de direct, ça fait quand même un gros fichier. Alors, on place des pinces, comme je vous raconte ma vie en même temps, je ne vous dis pas, on place des pinces sur tout le tour, pardon. Hop. Et on a presque fini, hein. Il nous reste deux coutures pour aujourd'hui. C'est assez vite. Hop. Donc,
On aligne bien les bords. On n'hésite pas à pousser sur la matière. Vous voyez, parce que la suédine, elle accrochait un peu. Avec plaisir, petite Bibine, je ne t'avais pas vue. Elle nous dit un grand merci pour ce travail de replay. Mais moi, ça me fait plaisir. Alors, la prochaine étape serait de vous rajouter les sous-titres. Parce qu'effectivement, il y a des personnes malentendantes qui en ont besoin. Ou même des personnes qui regardent. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je regarde beaucoup de vidéos sans son. Et effectivement, ce serait mieux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le temps de me pencher sur la question. Alors, j'ai vu une question, Sophie, qui dit « Je ne sais pas, j'ai pas vu vous, mais moi, qu'est-ce que je suis bien et détendue ?» Eh bien, moi aussi, donc je suis contente d'être avec vous. Un petit moment hors du temps, c'est sympa. J'aime bien les lives avec vous. Bon, j'ai un peu la pression, hein, toujours. Quand j'ai fini de coudre mon truc, je me dis « Fou, j'ai réussi, ça va mieux. » Coucou Josette, bienvenue. On aligne bien les bords. Pourquoi elle rigole? Ah, Christine et Claire, elles se font un challenge. Mais je l'ai dit en premier, les filles, de toute façon. C'est bon pour vous? Donc maintenant, on va faire une couture. Pas une couture de maintien, une couture d'assemblage, d'accord? Au point droit, à 1 cm du bord sur tout le tour de la pièce, sauf le haut, parce que je veux retourner par ici. D'accord? Merci pour tes étoiles, merci beaucoup. Claire, elle dit, il manque l'apéro, mais n'hésite pas, si tu veux m'apporter un mojito, il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne suis pas sûre de coudre très droit après. Allez, je rapproche ma machine et dire des bêtises. Alors, elle est très lourde, hein. Donc j'ai du mal à la déplacer comme ça, à bout de bras. Je vais changer mon pied par contre, parce que je suis en pied pose-fermeture. Et on remet le pied classique. Voilà. Bravo pour ce soir, hein, parce qu'on est presque au bout. Donc, je vais remettre l'aiguille au milieu. Christine, elle dit jolie. Je pense que son ouvrage lui plaît. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Trop, trop hâte. J'espère que la lumière, ça va. C'est tombé un petit peu. Ça commence à tomber dehors. Alors, on y va. On place notre pied sur le bord du tissu. Et on place l'aiguille au milieu pour être sûr d'être à 1 cm. Hop, on va planter. Et vous pouvez vérifier si vous voulez que vous êtes bien à 1 cm du bord. Je dis ça aussi pour moi parce que je ne me rappelle plus trop de mes repères. C'est bon. Et on va venir coudre sur tout le tour. D'accord? Donc on commence dans un coin. Bien, je répète, on ne va pas coudre le haut. Donc ici, on fait bien un point avant-arrière. Et bien si, j'ai de la menthe claire. Dommage pour toi parce que j'en ai acheté. Allez, hop! On fait un petit point avant-arrière. Et on y va. Donc on va tout droit. Donc on prend son temps, surtout dans les arrondis du bas de la pièce. Vous pouvez cranter avant si vous voulez, mais normalement ici on n'a pas de tension sur le tissu. Donc moi je vais plutôt le faire après. Quand on passe sur le passepoil ici, je l'ai senti là, on prend son temps, d'accord. Et on y va, tout droit. Là quand on arrive dans l'arrondi, il faut vraiment prendre son temps parce que si on a fait un bel arrondi ici, on aura un joli rabat. Si on fait vite fait en se disant ça passera, on prend le risque que ce soit moins joli au final. Donc prenez vraiment votre temps, quitte à planter l'aiguille, soulever le pied et tourner. D'accord? Tout doucement comme ça, c'est aussi possible. Vous avez le droit, hein? D'accord? Moi aussi d'ailleurs. Hop, voilà. Et on y va. Donc moi j'ai un point allongé qui est à 3,5. Peut-être qu'il aurait fallu que je le mette plutôt à 3 parce que c'est un peu allongé, mais c'est pas grave. Quand vous passez ici, si vous faites la taille 1, vous risquez d'être plus près du fermoir que moi. Donc, si cette partie-là, le renfort, vous gêne, n'hésitez pas à venir l'inciser un peu. D'accord? Je vais tout droit. Et pareil, mon arrondi, je prends mon temps. Je vérifie que je suis toujours bien alignée. Attention. Hop. Je vois que Christine et Claire sont très en forme. Alors, hop là, on y va et on va tout droit, on repousse. Donc là, c'est exactement la même chose. Je vais passer sur mon passepoil ici, donc je prends mon temps, sur n'avoir pas trop d'épaisseur, et tout droit. Et en haut, je vais venir, je n'ai pas fait de décalage, dis donc, je suis fière de moi. Je vais venir sécuriser, faire un petit point avant-arrière pour sécuriser cette couture. Voilà, et je coupe. Alors, mon rabat est presque fini. Voilà. Donc, je vérifie que mes coutures en haut tiennent bien parce que ça, c'est important. Je n'ai pas envie de recommencer ici.
Si on veut parler d'additionnel, on aurait pu aussi pas spoiler le tour du rabat, hein, chose que j'ai pas faite, mais c'est aussi possible. C'est pas dans le pack additionnel, mais c'est une idée. Parce que le rabat, je vais vous le montrer. Attendez, il faut que j'attrape mon sac qui est sous la table. Je vais vous montrer ça. Le rabat, en fait, j'ai fait exprès de le faire un peu moins large que la pièce de dos. Donc, je vous montre sur mon ouvrage qui est cousu. Vous voyez, là, le rabat, alors on voit pas, c'est tout noir. Il n'arrive pas au bord, exactement au bord, donc je pense qu'un passepoil passe. Alors un petit, pas un gros, mais normalement ça doit le faire. Alors, une fois que j'ai fait ça, est-ce que ça va pour tout le monde? On va venir cranter les arrondis au niveau du bas des arrondis, donc même chose que tout à l'heure, je viens faire des incisions, d'accord? Et là j'ai un peu d'épaisseur, j'ai la suédine, le tissu entoilé, tout ça, donc comme ça, mon tissu, il va bien se placer quand je vais le retourner. Si votre fer est allumé, c'est une bonne chose. Vous allez pouvoir repasser. Moi, je pense qu'il est éteint. C'est pas grave. Voilà. Vous pouvez cranter tout le tour si vous voulez éliminer de la matière. Par exemple, avec une paire de ciseaux cranteurs comme ceci. Je vous montre ce que ça donne. Hop, je vais d'ailleurs le faire. Ça, ce sera fait. Donc là, ici, je viens cranter comme ceci. Mais on n'est pas obligé. Hein. Là, je le fais parce que... Ah, alors là, je suis dans mon passepoil, donc j'y vais tranquille. Voilà. Pour éliminer un peu de matière, c'est possible. OK. Dans l'arrondi, je peux aussi couper si je veux ou je garde mes crans. Bon, comme je suis lancée, je continue. Voilà. Ce qui va me permettre d'éliminer de la matière. Est-ce que tout va bien niveau lumière? Parce que j'ai l'impression que ça tombe. Sinon, je peux me lever, vous allumer la lumière, hein, si c'est juste. OK? Hop. Bon, allez, comme je suis partie, je vais cranter tout. Hein. Je ne vais pas garder un truc à moitié cranté. Hop. Donc, quand j'arrive sur les passepoils, j'ai encore de l'épaisseur, c'est normal. Voilà. Ok, on est là. Donc là, on va retourner le rabat sur l'endroit. C'est parfait, dit Brigitte. Et bien super. Alors, on a un peu. C'est un peu rigide, hein, d'accord, entre la suédine et le coton entoilé. Mais c'est pas grave. J'ai préféré bien entoiler toutes les pièces pour être sûre que ça se tienne parfaitement. Ici, avec vos doigts, vous voyez, il faut bien ressortir les arrondis du bas de la pièce. Je vais m'allumer ma presse pour repasser un tout petit coup. Alors, mettez pas votre fer ou votre presse trop forte. Hein, si vous travaillez de la suédine comme moi, je viens ici et je ressors l'arrondi de l'autre côté. Voilà. Donc, le résultat obtenu. Donc, je tire bien pour placer, là, vous voyez, la pièce de doublure au dos de cette pièce. Voilà, donc ça vous donne ceci sur la face avant et c'est doublé. Ah, Christine, elle dit, on retourne sur rabat et on fait waouh, waouh, tout à fait. Donc du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est repasser un petit peu les angles. Donc vous voyez, moi, j'ai bien dégarni, cranté, mon angle, il est pas mal. Ici, on dirait qu'il ressort pas trop, donc je peux prendre une baguette chinoise, par exemple, et venir pousser à l'intérieur. Pour avoir quelque chose de plus joli ou retourner et mieux cranter. D'accord? Alors, je vais attraper ma table parmi toutes mes petites poussières là de découpe. Voilà. Et je vais venir, vous n'êtes pas en face, tout à fait ici. Stéphanie qui dit, j'adore, je vais commander ce kit qui me donne envie. J'attaque le replay demain après-midi. Je ne vois pas la suite. Au calme, tu as raison. C'est bien aussi de coudre en replay. Après les kits, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis d'autres coloris aussi, hein, qui vont être aussi très très beaux. Donc les kits, ils sont prêts et ils partent du coup lundi. Hop, voilà. Alors, je n'ai pas repassé le haut de la suédine, parce que je n'ai pas envie de trop l'abîmer. Vous pouvez repasser en vous mettant du côté coton, par contre, si vous voulez. Voilà, en tirant un petit peu. Et là, il ne nous reste qu'une couture à faire. Et après, on aura terminé pour ce soir. On aura bien travaillé. On va surpiquer. Alors, voilà. Donc, ça nous donne ceci. Ma pièce, elle est prête et je vais la surpiquer. Du coup, je n'aurai pas du tout utilisé ma tablette anti-sèche. Hop, voilà.
Ok? Donc, ici, je vais venir faire une surpiqûre au point droit pour bien fixer, parce que vous voyez mon rabat, sinon il va rester comme ça. Donc, il va être fermé en haut, mais ici, ça fait moins net quand même. C'est quoi comme faire, Brigitte? C'est une presse, en fait, je te la montre. C'est la mini presse Cricut Easy Press, et moi, je m'en sers comme fer à repasser tout petit. Je trouve que c'est très pratique. Je vais éteindre d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme difficulté? Je vais faire du point droit allongé et mes difficultés, ça va être là pour passer l'épaisseur. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, ce que je vais faire, je vais venir aligner, hop, le tissu sous mon pied, d'accord? Moi, je vais décaler un petit peu parce que mon pied, j'aime mieux prendre comme repère ce bord-là. Et je vais venir déplacer l'aiguille pour qu'elle soit à peu près 0,5 cm du bord. Vous pouvez piquer à la distance que vous voulez, mais ne cousez pas à 1 cm, sinon ça va venir trop là et vous n'allez pas fixer la marge de couture dedans parce qu'on a retiré un peu de matière. Je regarde où je suis. Je ne suis pas à 0,5, je suis à moins, je suis à 0,3. Alors, je vais décaler un tout petit peu mon pied. Ah oui, si j'ai pas. Hop. Comme ça. Ok. Donc moi, je vous conseille de piquer déjà. Non, j'aime pas, c'est trop loin. Voilà. Dans la matière, plutôt que d'essayer de faire monter la machine, ce sera plus facile. Alors moi, j'ai une option de faire 3 petits points sur place et faire un nœud, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas. Je vais faire quelques points d'avant, quelques points en arrière et je repars. Du coup, là, pour le coup, on allonge le point. D'accord? Là, je suis à 3,5. Je pense que ça va aller, mais vous pouvez vous mettre à 4 si vous voulez. Et le but est d'avoir une couture qui soit jolie. Donc, s'il vous plaît, si vous avez peur d'être pas super droit, prenez du fil assorti à la suédine ici. Et si vous n'avez pas le même coloris, soit vous prenez un ton qui va avec tout, soit vous pouvez très bien vous arrêter là et reprendre avec un autre fil ici, d'accord? Et rechanger. Parce que ça va être une partie qu'on va voir, c'est la première, c'est le rabat, c'est ce qu'on voit en premier sur notre besace. Donc prenez votre temps. Moi, je vais faire ma couture, mais si vous avez besoin de plus de temps pour finir tranquillement et travailler en replay, il n'y a pas de souci, c'est la dernière étape de toute façon. Attendez, je tire parce que ma doublure, elle n'est pas hyper bien mise. Voilà. Donc là, maintenant, je vais avancer. Je pense que mon point, il n'est pas assez allongé. Voilà. Et je vais venir cliquer sur tous les bords. Donc, j'ai décalé mon pied. Je pense que j'aurais pas dû parce que j'aurais plus appuyé sur le côté. C'est pas grave. Et donc, je viens faire ma couture tranquillement. Quand j'arrive là dans l'épaisseur, si j'ai du mal, je plante l'aiguille, je soulève un peu pour pas que ça accroche et je repars. Si ça accroche de trop, je peux utiliser une petite languette pour monter. D'accord? Moi, j'en ai pas besoin, mais je vais vous montrer. Hop! On prend une petite languette. Donc ça, c'était avec ma machine. Vous pouvez prendre des petites cales en bois ou même en carton. D'accord? Vous plantez et pour compenser l'épaisseur, vous mettez la languette sous le pied comme ceci. D'accord? Comme ça, votre pied est bien, bien droit et il part tranquille. Moi, j'ai pas hyper bien cranté l'arrondi là, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, vous continuez, puis vous enlevez votre languette. Donc, hop. Je viens ici. Dans mon arrondi, je prends mon temps, exactement comme pour la couture. Ce serait bien, voilà, et je tourne et je continue. Alors ici, j'ai le fermoir qui peut me gêner, d'accord? Donc on y va tranquillement. Si c'est trop au bord, n'hésitez pas à décaler l'aiguille ou à prendre un pied pose fermeture. Moi, si j'ai pas envie que le fermoir raye ma plaque ici, je peux mettre hop, un petit bout de suédine aussi, comme ça, ça bouge pas. Mais il faut pas coudre la suédine avec le bord, hein, le bord du tissu. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Et donc, je continue à faire tout le tour. Hop, sortie de virage, je plante et je tourne. Hop, ma suédine, elle n'est pas cousue, tout va bien. Et là, je suis en tout droit. Alors, j'ai pas mis des pinces, mais j'aurais pu en mettre. Hein. C'est parce que j'ai pas pensé, vu que comme j'ai repassé, que ça se tenait bien. Donc vous pouvez mettre des pinces sur le tour pour un petit peu tenir votre ouvrage, c'est possible. Voilà, j'arrive au niveau du passepoil. Donc, n'hésite pas à prendre mon temps, planter, bouger si besoin. Et je vais ensuite tout droit.
Voilà. Et je prends. Voilà. Donc, je suis là. Donc, ma surpiqûre, est-ce que vous la voyez? Elle est là. Elle est noire. Hein. Elle est faite. Et mon rabat, il est prêt. Voilà. OK? Donc, dernière étape, si vous voulez, on peut la faire. Comme ça, on sera tranquille ici. Moi, je vous conseille de faire une petite couture de maintien pour bien plaquer le haut du rabat. Pourquoi? Parce que quand on va le placer, sinon, vous risquez d'avoir le tissu qui va bouger un petit peu et de devoir refaire parce que vous aurez des plis. OK? Ouh, Claire, elle dit waouh. Ben, merci. Waouh. C'est vrai qu'elle va être belle, cette besace. Alors, du coup, ici, on va faire un petit point, une couture de maintien, d'accord, pour fixer le haut en place. Donc, exactement comme pour les autres pièces de poche, je viens placer des pinces pour plaquer le tissu et on se met du côté qu'on veut, hein. Soit de ce côté, c'est vous qui décidez. Je peux décider d'allonger mon point aussi si j'ai envie, parce que cette couture, elle ne va pas être visible et je ne suis même pas obligée de faire un point avant-arrière au début et à la fin. Par contre, je pique à moins de 1 cm, d'accord? 1 cm, ça donnera à peu près ça. Donc, je pique à soit au ras, soit à 0,5, c'est très bien aussi. Comme ça, je fixe mon tissu en place. J'hésite pas à tirer, vous avez vu, j'ai pas bien placé ma matière. Comme ça, pour être sûre que tout s'aligne parfaitement. Voilà. Il ne faut pas faire de point avant arrière. Et voilà. Donc là, mon rabat est terminé. Je vais pouvoir couper mes petits fils. Et on a bien travaillé. Voilà, donc ça, et puis le bord de la suédine qui file un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, et ben bravo. Est-ce que tout va bien chez vous? T'as jamais pensé à faire cette couture de maintien, Claire? Et bien peut-être parce que je ne l'ai pas mis dans le tuto, c'est possible. Parce que des fois, je rajoute des choses en freestyle comme ça. Voilà, je vais éteindre la machine et je vais revenir vers vous. Je vais vous montrer les pièces qu'on a réalisées. On a bien travaillé, bravo. Ça avait l'air d'être clair, hein, parce que vous n'avez pas posé trop de questions. Donc, à mon avis, vous n'étiez pas perdu. On a commencé tranquille. Et bien, bravo à vous pour cette deuxième session couture. Je vous montre les pièces. Du coup, on a notre rabat qui est prêt à être cousu. Voilà, qui est beau, qui est doublé. Ça donne ça. Donc, quand je vais l'ouvrir, ça va me faire ça. Waouh! Ah, Sandrine dit waouh, c'est speed mais très chouette. Oui, c'est un peu speed ce soir parce qu'on est en fin de semaine et puis j'avais un impératif après donc j'ai un petit peu accéléré. Mais rassurez-vous, les autres soirs, je prendrai plus le temps, ce sera plus technique. Là, comme c'est du point droit, j'y vais. Enfin, j'ai un petit peu accéléré, mais les autres fois, si ça va trop vite, vous me direz. Hop, et j'ai la pièce de poche ici. Voilà, moi je vais prendre la suédine devant moi. Donc ça c'est la poche de doublure, ok, qui est finie. Et j'ai ma face avant qui est terminée aussi. Moi j'adore ce moment où on voit les pièces prendre forme. Ça me fait trop plaisir parce qu'on imagine son sac mais on ne l'a pas encore en visuel. Ça c'est cool, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Alors, Elisabeth elle dit tout est bien clair, merci. Eh bien merci Elisabeth. Et Sylvie, super, j'adore le coloris de votre tissu. Du coup je ne regrette d'avoir pas pris ce kit. Sylvie, je l'ai aussi mis au maître, donc si tu as déjà commencé une besace loup, tu peux très bien le commander pour faire autre chose. Ne regrette pas ton choix. Diane a dit, je suis contente plus plus, c'est génial, trop beau. Eh bien, moi aussi, je suis trop contente. Donc, et Stéphanie qui dit, il y a le replay, non, c'est extra, Elodie. Eh bien, génial. Eh bien, merci pour cette session. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes sortis parfaitement pour ces pièces. Si vous n'avez pas fini... Franchement, prenez votre temps en replay, vous allez voir, ça se passe très bien. Là, moi, je prends du temps parce que je vous explique, mais il n'y a que du point droit. Merci, je viens, elle dit toujours au top, notre dodinette, et bien ça me fait trop, trop plaisir. Donc là, pour vous dire, parce que moi, vous ne voyez pas, vous avez fait mon bazar, attendez, je vais le mettre là. Vous ne voyez pas de ce côté de l'écran parce que ça a l'air chouette et tout, mais en vrai, là, c'était les étapes les plus faciles pour moi. J'irai pas à doigt dans le nez, mais c'était simple, c'était du point droit. À partir de demain, on va arriver dans des étapes plus techniques, donc je prendrai plus mon temps. Il ne faudra pas hésiter à dire SOS, je n'arrive pas, je suis perdue, d'accord? Je m'arrêterai et demain, donc demain, on est samedi, dimanche, c'est des étapes techniques. Je prendrai vraiment le temps et puis il n'y aura pas la journée de travail avant, donc ça ira mieux aussi pour vous. Claire, elle dit, et merci, elle dit, n'oubliez pas le groupe d'entraide. Donc, je vous rappelle le groupe d'entraide, je l'ai créé juste avant le live. C'est
vous allez sur Facebook, soit vous tapez Coudre la besace Lou, vous allez nous trouver. Vous demandez à rentrer, on vous accepte et après on peut papoter du projet. Montrez-moi ce que vous avez fait, j'ai envie de voir. Voilà. Après, il y a le groupe Les Cousettes d'Odinette Addict aussi, si besoin. Mais celui de Lou sera, vous allez discuter avec des gens qui sont aux mêmes étapes que vous. Donc ça, c'est chouette et pouvoir montrer vos projets. Et merci beaucoup pour tous vos petits mots. Adorable, j'en lis quelques-uns. Maryse, elle dit merci pour ce live. Katie, merci Claire et Virginie avec un grand smile. Donc merci les filles pour Katie, merci beaucoup. Merci à toi, c'était top, elle dit Audrey. Un énorme merci à toutes, Martine. Et Sylvie, merci à toi, c'est toujours un plaisir de coudre avec toi. Gaëlle, merci, bonne soirée. Et merci à vous aussi, c'était vraiment très très chouette. J'ai hâte de voir vos ouvrages et je vous dis à demain, même lieu, même heure, 18h30. Demain, je ne sais plus ce qu'on fait, il faut que je vérifie. Mais soit on s'occupe de la poche, soit on s'occupe de la participer. Donc là, on va vraiment prendre notre temps pour tout bien faire correctement. Voilà. Merci à vous. Catherine, elle dit merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à demain, Teresa. Merci les filles, Julie, Claire et Christine qui étaient aussi au taquet ce soir pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end. Si comme moi, vous êtes en week-end, à demain pour la suite. Et j'ai hâte. Bonne soirée, bonne couture si vous travaillez en replay. Et à demain.